Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube French Bow Hunter. Je vais vous faire une petite présentation rapide de la caméra embarquée que j'ai achetée pour cette saison. Donc il s'agit de la Sony FDR X3000. Donc elle permet de filmer en 4K et surtout de faire des ralentis en 480, on est à 240 images par seconde et 120 images par seconde en 720p. Donc ça c'est vachement bien si on veut voir le vol de la flèche. Donc ça c'est le caisson étanche qui permet de l'utiliser même quand il pleut. L'avantage c'est qu'elle est très compacte, donc le caisson s'enlève hein, bien entendu, et en dessous vous avez le pas de vis standard que vous retrouvez sur tous les appareils photo classiques. En fait c'est pas un truc comme la GoPro où c'est spécifique à GoPro, donc ça c'est l'intérêt. Le gros intérêt aussi pourquoi j'ai choisi ça, c'est parce que en fait vous avez une petite montre de contrôle, donc ça s'enlève et ça permet de voir l'image de la caméra, donc vous pouvez contrôler votre cadrage, parce que moi je vais mettre ça sur la tête avec ça, donc ça c'est cam strap, c'est un truc américain, et donc ça je peux changer et tout orienter en fait pour régler, vous voyez, tout ça pivote, ça tourne, comme ça je peux cadrer comme je veux, mais pour pouvoir cadrer correctement il faut pouvoir le contrôler, d'où la petite montre. Et ensuite ça, et ben, ça se scratch et vous le réglez sur votre tête. L'avantage aussi d'avoir une petite caméra comme ça assez légère, c'est qu'au bout de quelques heures, ben voilà, ça pèse pas trop lourd. Surtout que si vous enlevez le caisson, on est sur quelque chose de vraiment très très léger. Les poids, je les ai pas pris, mais si vous les voulez, vous allez sur le site Sony et vous aurez tous les poids. Ensuite j'ai aussi ce petit tripod articulé, donc ça c'est vachement pratique à mettre dans le sac à dos et ça permet de le fixer sur un arbre pour me filmer à l'affût par exemple ou quelque chose comme ça, et j'ai juste à lancer l'enregistrement avec la petite télécommande. Donc voilà, et ben je vais mettre ça sur la tête et puis on va faire quelques tirs pour voir ce que ça donne au niveau de la prise de vue. Floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I've let you up and tie it down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Day and night, I'm running, running for you. Gotta move, don't want no ride. So warm me up, 'cause I know the world is at my feet. Yeah, so take me higher, baby. Let's go and hit the streets. Yeah. Bon là je suis au taquet de mon jardin, je peux pas tirer plus loin. On va voir ce que ça donne. Alors est-ce que c'est cadré? Ouais, nickel. Et ben c'est pas mal, on va aller voir ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 pas. Donc les trois premières, tout dans le cœur. Et la dernière à 25 mètres, voilà, je suis dans le cou, mais en chasse, bah là je fais œsophage, carotide, tout ça quoi. Donc voilà, mais là les trois premières elles se touchent. Donc vraiment bien content. Surtout que ça fait longtemps que j'ai pas tiré. Donc voilà, après je pense que je vais essayer de l'utiliser le maximum sans le caisson parce que ça rajoute beaucoup de volume et de poids et c'est assez pénible sur la tête. Donc là je vais l'utiliser le plus possible que comme ça. L'autre truc hyper intéressant, c'est qu'en fait on peut directement sur la caméra, parce que ici vous avez le petit écran de menu qui est vachement bien fait, je peux choisir de filmer tête en bas. C'est-à-dire qu'en fait pour que ça prenne moins de place et que ça bouge moins, la caméra elle est fixée comme ceci sur moi, tête en bas. Et donc il faut pouvoir inverser l'image pour la retourner, parce que c'est la merde à faire sur logiciel. Donc là je peux le faire directement. Donc ça aussi c'est hyper intéressant pour le type de prise de vue que je veux faire. On peut faire aussi de la photo avec du time-lapse. Time-lapse c'est en fait vous allez prendre plusieurs photos à des temps différents et ça permet de faire un coucher de soleil, des nuages qui bougent, ce genre de choses. Voilà, je pense que je vais essayer de racheter des batteries supplémentaires, parce que bon, tout ce qui est petit comme ça tient pas non plus super longtemps. Voilà, mais je pense que ça va être quelque chose de vraiment cool. Ça, si vous voulez le trouver, c'est Camstrap, c'est un américain qui fait ça, et ça existe aussi directement sur une casquette. Moi, j'aime pas la casquette parce que ça touche avec les branches. Le gros intérêt aussi de pouvoir, comme je disais, vérifier le cadrage, c'est que quand vous tirez à l'arc traditionnel, on est toujours penché, la tête un peu penchée par rapport à un poulie qui est bien droit, donc lui, il n'a pas trop de problèmes pour cadrer. Donc moi, je veux pouvoir vérifier ça, parce que je veux un cadrage fin, surtout qu'on peut régler trois angles de vue différents, donc le grand angle, un peu plus zoomé et encore un peu plus resserré. Donc là moi j'étais en moyen, mais on peut zoomer plus. Donc quand vous zoomez plus, il faut pouvoir vraiment cadrer pour bien avoir le bras d'arc et le gibier en même temps. Voilà, et ben on va faire la saison avec ça, on va voir ce que ça donne. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si vous utilisez d'autres choses, n'hésitez pas à me donner votre matériel en commentaire de la vidéo, ça peut être sympa. Voilà, ben n'hésitez pas à liker la chaîne YouTube et à me rejoindre aussi sur Instagram. Donc c'est le même nom, French Bow Hunter, je vous mets le lien dans la description. Allez, à bientôt, et puis la prochaine, je pense que ce sera peut-être pour l'ouverture, enfin j'espère.